Laurence, tu es là? Laurence? Laurence? Oui, c'est moi, je suis à la maison, hein. Je pensais que tu étais là. Bon, bah écoute, rappelle-moi, voilà. Ah, bah tu es là. Je viens d'arriver. Ah, je ne t'ai pas entendu rentrer. T'as passé une bonne journée. Oui. Ouais. C'est pour qui les 100 euros? Pardon? Le billet de 100 euros, c'est pour qui? Quel billet? Là, sur la table, là, c'est pour qui? Moi, j'en sais rien. Bah comment ça, t'en sais rien, si tu l'as mis là, c'est bien pour quelqu'un, c'est pour Teresa, non? On est mercredi, Teresa vient le lundi et le jeudi, qu'est-ce que tu racontes? Bah pourquoi t'as mis 100 euros sur la table? Mais j'ai rien mis du tout, moi je sais pas d'où vient ce billet. Bah c'est extraordinaire ça. T'es sûr? Bah enfin je suis pas folle, je sais ce que je fais, ce billet n'est pas à moi, d'accord? Bah alors qui l'a mis là? Oh, bah ça, oui. Ça peut être que toi, hein. Oui, bah non, c'est pas moi, hein. Non, c'est pas à moi, C'est ton billet. Bon, écoute, Laurent, c'est agaçant. Je te dis que c'est pas à moi, quoi. Bon. Pourquoi tu fouilles dans ton portefeuille? Mais je fouille pas. Je vérifie juste combien j'ai. Mais voilà. Si tu vérifies, c'est que tu n'es pas sûr. Mais si, je suis sûr. Bien sûr que si. J'avais deux billets de 50. Tiens, d'ailleurs, regarde, ils sont là. Tiens, voilà. Voilà, deux billets de 50. Tiens. Oui, ben 50 et 50, ça fait 100.
Oui, et alors Bah rien, j'essaie de comprendre, c'est tout. Oui, mais comprendre quoi? J'ai deux billets de 50, quel rapport avec un billet de 100? Ça se reproduit pas, les billets. Ils ont pas fait un gosse. Oh, t'arrêtes de parler comme à une conne, tu veux bien? Bon, oui. Je réfléchis, c'est tout. Voilà. Alors, si tu réfléchis, on va pas insister. Bon, alors. Aïe! Hein? Alors, ça, il y a sûrement une explication, ça. Oui. Tu l'as trouvé là, hein? Ah oui, là, oui. Eh bien, oui. Il vient de là. Ah oui, il vient du ciel. Ah, t'es bête. Oui. De la bibliothèque. Oui. Il devait être là quelque part, posé sur une étagère, oui. Oublié entre deux livres, puis il s'est envolé. Voilà. C'est un billet volant. Voilà. C'est ça, avec un courant d'air. Voilà, c'est ça, un bon courant d'air. Peut-être mal fermé, un coup de vent. Allez, hop. Tu vois une autre explication? Non, tu sais, moi, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Alors, donc, il est dans la bibliothèque. Voilà, il est là, il est tranquille, il est peinard. Il relit Proust, et à un moment donné, pshhh, voilà. Eh ben mon pote, t'es pas en grande forme. Oh oui, il a volé toute la journée, il est fatigué le pauvre vieux. Ben voilà, c'est ça, t'es crevé mon pauvre vieux, alors dis-moi, mais il faut pas voler comme qu'est-ce que tu nous fais. Voilà, c'est n'importe quoi. Oh, c'est pas très grave tout ça, allez, laisse tomber. Va. Allez, d'accord, t'as raison, on s'en fout. Bon, alors... Oui, on va le prendre quand même. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu prends les 100 euros? Ah mais je sais pas. Mais ils sont autant à toi qu'à moi. Non, mais c'est grotesque. Alors tiens, prends-les. Mais je m'en fous de tes 100 euros. Mais je m'en fous complètement. Mais je trouve ça mufle, quoi? Tu les empoches comme ça. Mais tu m'insultes, qu'est-ce qu'il te prend? Je sais pas, t'aurais pu te poser la question. Mais quelle question? Ça fait un quart d'heure qu'on se pose des questions. Ça suffit maintenant. Voilà, je les ai pris parce que c'est moi qui les ai trouvés le premier. Voilà, alors on va pas les partager, hein? On n'en est pas là, je vais pas te rendre de la monnaie quand même. Voilà, c'est peut-être un peu muche, mais enfin, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner, là? Qu'est-ce qu'on... Des côtes d'agneau. Eh bien, on les mangera demain. Pourquoi? Parce que j'ai 100 euros dans la poche et que j'ai envie de t'inviter à dîner. Voilà, alors, t'as pas envie de sortir avec un muf, hein? Faut voir. Allez, sors ton muf. Hein? Tente ton petit muflon. De l'argent. Je vois bien que c'est de l'argent. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Bah c'est là depuis quand? Je sais pas. Je suis allée préparer le petit déjeuner. Quand je suis sortie de la cuisine, je suis tombée dessus. Bah c'est une histoire de fou, ça. C'est une histoire de fou, ça. J'ai peur, Bruno. Attends,
Attends, quand tu as traversé le salon pour aller préparer le petit déjeuner, c'était déjà là? Mais comment veux-tu que je sache? Oui, peut-être, j'en sais rien. Bah, écoute, essaie de te souvenir, c'était il y a 10 minutes. C'était là ou c'était pas là? Mais je sais pas. Je suis allée de la chambre à la cuisine. Bon. Moi, j'ai traversé, j'ai rien vu. Bon, hein. Donc, ça n'y était pas. Je n'en sais rien. Enfin, tu pourrais faire attention quand même. Mais quand j'avance, je regarde devant moi. Je vois pas sur les côtés, je suis pas un poisson. Qu'est-ce que ça change que ce fric soit là depuis 10 minutes, depuis 2 heures? Qu'est-ce que ça change? J'en sais rien, moi, rien probablement, ou peut-être tout, est-ce que je sais, moi, j'en sais rien. Je suis comme toi, alors, j'essaie de comprendre. Non, calme-toi. Il y a sûrement une explication. Oui, d'accord, il y a une explication, d'accord. Alors bon, attends ça. Bon, alors. Il y a combien? Bon, alors, il y a combien? 1420 euros. Ah oui, quand même. Mais d'où ça vient? Ça, c'est peut-être un cadeau. Un cadeau? Oui, quelqu'un qui veut nous remercier. Qui? Ben, j'en sais rien, un de tes patients. Je suis anesthésiste, Laurence. Et alors? Alors, t'imagines quelqu'un normalement constitué aller filer une brique à un anesthésiste? Bien sûr. Ah, tu perds la tête. Mais enfin, Bruno, tu fais très bien ton travail. Mais je fais très bien mon travail. Bien sûr que je fais très bien mon travail, mais tout le monde s'en fout. Les malades arrivent au bloc, je les endors. Quand ils se réveillent, ils m'ont déjà oublié. Ça viendrait à l'idée de personne de faire cadeau à un anesthésiste. Je serai chirurgien, je te dis pas, mais moi, on ne m'a jamais rien offert et on m'offrira jamais rien. Mais non, c'est pas un cadeau. Ça peut pas être un cadeau, ça. Ou alors? Oui. Si c'est un cadeau, il est peut-être pour toi, hein? Mais qui me ferait un cadeau? À ton avis, hein, ton avis? Un parent d'élève? Oui, non, je pensais pas à ça, là. Non. Mais je dirige très bien mon école. Oui, d'accord. Enfin, tu es une très bonne directrice de maternelle. Mais enfin, je vois pas très bien pourquoi un parent d'élève viendrait te déposer une brique en pleine nuit, Laurence. Il y a 300 gosses dans mon école. Sur 600 parents d'élèves, t'en as toujours 2 ou 3 qui sont tarés. Oui, non. Si c'est un cadeau pour toi, c'est quelqu'un qui t'aime bien. Enfin, je veux dire personnellement. Hein, une personne que tu connais et qui veut te faire plaisir. Ben oui, mais qui? Mais je sais pas. Un homme... Un homme qui cherche à semer le trouble dans notre couple, hein, c'est peut-être ça. Oh là là, je te suis pas, Bruno. T'as quelqu'un en ce moment? Pardon? T'as quelqu'un en ce moment? Non, mais qu'est-ce que tu cherches? Bah, écoute, Laurent, si t'as une histoire avec un type et qu'il a voulu te faire un cadeau, hein, bon, voilà. Voilà, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est pas la fin du monde non plus. Hein, si t'as dérapé, t'as dérapé, seulement je te demande de me le dire, hein, Tu me traites de pute? Non, j'ai pas dit pute. Bah si j'ai dérapé en échange de 1420 euros, ça veut dire que je suis une pute. Non, pas pute, j'ai pas dit pute. Mais allez se faire sauter pour 1420 euros, t'appelles ça comment, mais toi? Je ne sais pas. Non, mais me faire insulter au bout de 20 ans de mariage. Mais je t'insulte pas, j'essaie de comprendre ce que ce flic... Fou au milieu de notre salon. Je ne te traite de rien, je t'accuse de rien. Non, mais comment oses-tu? Oh, excuse-moi, Laurent, je suis absolument désolé. Oui, oh. Je ne voulais pas être désobligeant. Écoute, je ne sais pas ce qui nous arrive, là. Que je te dise, à moi, ça... Oh! On s'est fait cambrioler. Quoi? C'est sûrement un cambriolage. Bah, il manque rien. Et alors? Bah, et alors, un cambrioleur, ça emporte, ça prend les choses, ça les enlève, ça ne dépose rien, un cambrioleur, Laurence. C'est peut-être un débutant. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ou un apprenti, hein? Un cambrioleur en formation qui termine son stage, c'est ça. Alors, ça peut être ça. Arrête de dire n'importe quoi, c'est déjà assez compliqué d'y voir clair. On devient fou avec cette histoire, on devient complètement fou. Mais c'est peut-être ça qu'on cherche à faire, à nous rendre fous. Mais qui? Mais qui? La porte est fermée. Elle est fermée, bien sûr qu'elle est fermée, on la ferme à clé tous les soirs. Oui, donc c'est normal. Oui, ah bah ça, la porte c'est normal, hein. Ça la porte c'est tout à fait normal. Voilà, alors bon, la fenêtre de la cuisine est fermée, la fenêtre de la chambre est fermée naturellement,
La fenêtre de la salle de bain est fermée comme tous les soirs. Voilà, tout est fermé, donc ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les clés d'appartement qui a fait le coup. Quoi. Quelqu'un qui a les clés? Exactement, oui. Les anciens propriétaires? Quoi, les Priou, non, pas les Priou, non. Ça, quand ils ont vendu l'appartement, ils ont rendu les clés. Hein. Ils ont peut-être gardé un double. Un double, on a acheté l'appartement il y a 5 ans. Enfin, pourquoi les Priou viendraient nous déposer du fric en pleine nuit? Ça, tu sais, dans l'immobilier, il y a toujours des histoires bizarres. Oui. Des dessous de table, des enveloppes qui circulent. Des enveloppes. Pourquoi ils nous fileraient une enveloppe? Ils nous l'ont vendu très cher, cet appartement. Oui. Ils ont peut-être eu des remords. Des remords en pleine nuit au bout de 5 ans. Bah, si tu crois que ça les empêche de dormir, écoute, ça tient pas ton histoire. Oh, mais alors qui? Mais qui? Oh! Teresa! Oui, quoi, Teresa? Teresa, les clés! Dans quel but? Pour ouvrir la porte! Oui, non. Dans quel but, Laurence? Dans quel but votre femme de ménage vient de nous déposer une brique en pleine nuit? Ah, ben j'en sais rien, moi. Voilà. Parce qu'on l'exploite. Parce qu'elle nous hait, parce qu'elle est espagnole, est-ce que je sais, moi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ibérique? J'en sais rien, moi. Elle veut nous rendre fous, c'est tout. Elle y arrive très bien. Mais ça n'a pas de sens. Évidemment que ça n'a pas de sens. Il y a de l'argent qui pousse sur la moquette en pleine nuit. Donc plus rien n'a de sens. On ne cherche pas du sens. On cherche quelqu'un qui a la clé. Teresa, la clé, c'est la logique des clés. Quoi? C'est pas la logique du sens, c'est la logique des clés. Et cette femme de ménage, c'est une perverse. Fainéante! Elle arrive systématiquement avec 10 minutes de retard. Depuis 15 ans qu'elle travaille pour nous. Oh, enfin, oui. Oh, alors 10 minutes, 2 fois par semaine, à 10 euros de l'heure, sur 15 ans, oui. En calcul espagnol, ça doit faire grosso modo 1420 euros. Voilà. Ah, et ça a du sens. Alors, comme toutes les Espagnoles, évidemment, elle a sa fierté d'Espagnole. Elle s'est enfin décidée à nous rembourser. Voilà. Là. Ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler. On va lui parler. Bonjour. Hay un problema? Il n'y a pas de problème. Teresa, pas de problema. Je suis en retard parce que le changement des châtelettes à la gare du Nord, il est bloqué. Il dû passer pour la ligne 13, le changement de Salazar. Il dû passer pour Strasbourg, Saint-Denis, arriva jusqu'ici. Oui, mais c'est pas grave, Teresa. Vous êtes en retard. Ça peut arriver à tout le monde. C'est n'importe que la ligne 13, il est bloqué. Pas de problème. Ok. Il a commencé par la yambre? Non, vous ferez la yambre tout à l'heure. Si? Vous ne voulez pas qu'on parle un petit peu? Parler? Bah, si. Mais pourquoi? Pourquoi on aimerait parler avec vous? Si, hay un problema. Il n'y a pas de problema, Teresa, pas de problema. On a juste envie de discuter avec vous, tout simplement. Voilà. Si? Juste comme ça, pour le plaisir de parler. Si? C'est important de parler, vous savez, c'est comme ça qu'on exprime ses sentiments. Vous avez des sentiments, Teresa? Si. Eh bien, il faut les exprimer. Si. De la communication. Voilà, c'est ça, la communication. On aimerait avoir une communication avec vous, voilà. Si. Asseyez-vous. Si. Oui, là, asseyez-vous là. Si. Ça va? Si. Vous êtes heureuse de travailler avec nous? Mais si, je suis très contente.
Qu'est-ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez quoi de nous? Qu'est-ce qu'elle pense? Oui, de Monsieur Bruno, de moi, vous pensez quoi? Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oui. Vous nous aimez? Oh, si, beaucoup. Que je suis très bien avec vous. Oh, que j'aime beaucoup travailler ici. Bon, Teresa, est-ce que vous nous aimez? Si. Je vous aime. Pourquoi? Parce que je vous aime. Oui, oui, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous nous aimez? Pourquoi? Hmm? Parce que... C'est difficile, hein, à dire comme ça. Alors vous nous aimez, mais vous ne savez pas pourquoi. Si, pas? Si, si, mais pourquoi? Je travaille avec vous depuis 14 années. Oh, et que vous avez été très gentil, hein, quand mon mari a été malade, que vous lui avez trouvé une place à l'hôpital et qu'il était très touché de ça. Et que j'aimais beaucoup parler avec Madame Laurence, hein, de la vie en général. Oui, oui, oh, mais moi aussi, j'aime bien parler avec vous. Si, mais comme nous avons les mêmes opinions de politique, que je suis socialiste, comme vous. Vous nous aimez parce qu'on est socialiste? Si, beaucoup. Très importante pour moi, les valeurs de la gauche, de partage, de générosité. Parce qu'avec ma famille, nous avons fui l'Espagne à cause du franquisme. Et que maintenant, c'est une chose très importante pour moi, la politique et les valeurs de la gauche. Si on était de droite, vous ne nous aimeriez pas? Si, si, bien sûr, bien sûr. Mais ce serait différent, eh, quand même. Oui, c'est une bonne chose qu'on se parle, oui. N'est-ce pas? Si, très bon. Oui, oui, oui. Oui, alors vous avez fait quoi hier soir? Hier soir, après le travail? Voilà, c'est ça, voilà, après le travail. Hein? Bah, j'étais chez moi avec mon mari, José Luis, et ma soeur qui venait de Zaragoza pour la semaine, parce que c'est son anniversaire. Ah oui, vous avez fêté l'anniversaire de votre soeur. Si, si, nous avons fait un très bon dîner, que ma soeur, elle a préparé les empanadas. Ah. Vous connaissez les empanadas? Non. Qui sont comme des petites beignettes avec de la viande, de l'ail, des oignons, des olives, qui les frites en un pâte-fauteuil. Une pâte et fauteuil. Si, une pâte et fauteuil. Une pâte et fauteuil, oui. C'est quoi une pâte et fauteuil? Feuilletée, pâte feuilletée. Ah, ah oui, si, 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 feuilletée, feuilletée. Ah, oui. Excellente, excellente. Voilà. Alors, après le dîner, qu'est-ce que vous avez fait après le dîner, alors? Hein? Après le dîner, oui. Bah, j'ai discuté avec ma sœur. Oui, non, mais on est d'accord, mais après la sœur, une fois que votre sœur est partie, qu'est-ce que vous avez fait après la sœur? Hein? Bah, j'ai couché. Avec qui? Hein? Avec qui? Avec mon mari, José Luis. À quelle heure vous avez couché? Je me suis couché en environ minuit. Minuit et demi. Minuit, minuit et demi, minuit. Pas bon, hein? On a eu un petit problème cette nuit. Ah, c'est un problème, hein? Oui, oui, nous pensons que quelqu'un s'est introduit dans l'appartement. Voilà. Si? Oui, une personne qui a les clés de chez nous. Voilà. Si? Et cette personne aurait... Hein? Vas-y. Cette personne aurait déposé ça chez nous. Voilà. Ah non, il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Ah non, oui, non, mais ah non, mais on ne vous accuse pas, Teresa. Non, non, simplement, on a trouvé cet argent dans le salon. Alors on se demandait si vous aviez une explication. Non, il n'est pas volé. Il n'est volé pas, seigneur. Là, je vous jure que ce n'est pas moi. Il n'est volé pas. Il n'est volé pas. Il n'est volé pas. Il n'est pas volé. Non, il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Voilà, Teresa, calme-toi, Teresa, calme-toi. Non, mais Teresa, personne ne vous accuse. Hein? Personne ne dit que c'est vous. Vous comprenez ça? Hein? Il n'y a pas eu de vol. Voilà, on est d'accord. Personne n'a rien volé puisqu'il n'y a pas eu de vol. On est d'accord, on est bien d'accord. On est d'accord. Vas-y. Non, simplement, cette nuit. Cette nuit. Si. Quelqu'un. On ne sait pas qui. Hein? Bon. Quelqu'un est entré chez nous. Quelqu'un qui a les clés de la maison. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette personne a déposé
De l'argent. Non, voilà. Il n'est pas volé. Il ne vole pas. Non, il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il ne vole pas. Vous pouvez le dire, monsieur. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Arrêtez de durer. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Arrêtez de durer. Je vous dis. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Je vais la buter. Je vais la buter. Il ne vole pas, moi. Il ne vole pas. C'est fini. Taillez-vous. C'est fini. Plus à bout. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Ah, petit. Bon, alors. C'est bien qu'on se soit parlé, n'est-ce pas? Si. Oui, il faut dire les choses, on se sent mieux après. Si. Oui, ça va aller, Teresa, vous vous sentez bien. Si. Oui. Oui, ben maintenant, vous pouvez aller travailler. Ah, si. Bon. Eh bien, c'est pas dit. Oui, ma petite Teresa, oui. Il commence par la yambre. Mais vous commencez par où vous voulez, voilà. Teresa. Là où ça vous fait plaisir. Mais voilà, la yambre, le séjour, le caillibi, là, voilà. Vous êtes chez vous, je ne peux pas vous dire, mais vous êtes chez vous. Voilà. Bon, mais si vous pouvez, fallait bien vérifier. Ah oh oh oh, putain. Oh putain, oh putain. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, Dios mio, Dios mio. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est nos économies. C'est nos économies. C'est nos économies, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est la colérance. Ah, nous sommes locaux, sommes locaux. Vous allez rentrer chez vous, vous êtes fatigué, il faut vous reposer, Teresa, vous allez rentrer. Mais il n'y a pas de ménage. Il n'y a pas de ménage, il n'y a plus de ménage, c'est pas la peine. C'est propre partout, tenez, regardez, hop. Et voilà, il n'y a pas de poussière. Voilà, alors vous allez rentrer chez vous et puis vous allez vous coucher. Hein, voilà. Mais il est midi. Eh ben, c'est très bien, c'est parfait. Comme ça, ça va vous faire une bonne nuit, là, voilà. Hein. Regardez-moi ça, vous avez les valises sous les yeux. Allez, vous rentrez chez vous. Et à lundi, merci Teresa. Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est de la science-fiction. J'ai jamais vu autant de fric. Il y a combien, là? Je sais pas, je peux pas te dire 20 000, tranquille. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a absolument aucun sens. Bon, j'appelle la police. Mais alors ça, non, surtout pas. Ça, surtout pas. Non, Bruno, on peut pas garder ça à la maison. Ah, c'est ça, la police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont nous aider. Nous aider à quoi? Ils vont nous demander d'où ça vient. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Ah, la vérité. La vérité? Quelle vérité? Que c'est de l'argent qui jaillit de nos placards. Bah oui. Enfin, écoute, atterris, Laurence. Atterris. Ils vont nous embarquer. Et le pognon avec. Alors, écoute, c'est à nous d'essayer de comprendre. Hein? Si cet argent est là, c'est que quelqu'un l'a déposé ici, on est bien d'accord? Mais ça, j'en sais rien. Attends, comment ça, t'en sais rien? Tout ce fric, ce tas de billets, il est peut-être quelque part. Oui. Bon, donc, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, un type. Ou une bonne femme, je n'en sais rien, qui a pris cet argent, qui l'a déposé dans ce placard. C'est pas les Priou, c'est pas Teresa et c'est pas nous. Donc, c'est qui? Qui s'amuse à mettre de l'argent chez nous? Qui? Non mais on tourne en rond, Bruno, tu vas devenir fou. Il faut bien essayer de comprendre. Non, la question c'est pas qui, c'est pourquoi. Pourquoi? Pourquoi cet argent est chez nous? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Écoutez, si on reste un minimum rationnel... Pourquoi rationnel? Enfin, tu vois bien qu'il n'y a rien de rationnel. Oublie un peu tes études de médecine et essaie de réfléchir autrement, je t'en supplie. Ouvre les yeux, pose-toi des questions. Mais de quoi tu parles? Quelles questions? Je sais pas, moi, pourquoi cet argent est là? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Tout ça signifie quelque chose. Mais qui? Mais arrête avec tes kiki! On s'en fout de qui? Pourquoi cet argent est là? Pourquoi on veut nous rendre fous? Pourquoi? On a peut-être fait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais je sais pas, c'est comme si quelqu'un nous jugeait là, nous disait, vous êtes des salauds, vous voyez? Hein? Mais on est des salauds. Mais non, on n'est pas des salauds, évidemment, on n'est pas des salauds. Mais alors pourquoi on nous persécute? T'as eu des ennuis à l'hôpital. Arrête, Laurence, qu'est-ce que tu vas chercher? Je sais pas, non. Essaie de te souvenir. Oui. Tu as eu un problème avec un de tes patients? Mais je n'ai aucun problème avec mes patients. Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, écoute, tu n'y connais absolument rien, je t'en supplie, complique pas les choses. Bon, Bruno, tu anesthésies des dizaines de malades par mois. Oui. Dans le lot, il peut très bien y en avoir un qui t'en veut. Alors ça ne me paraît pas fou. Mais pourquoi on m'en voudrait? Pourquoi? Il y en a peut-être un qui ne s'est pas réveillé. Non, mais tu délires complètement. Tu les as racontés. Quoi? Tous les malades que tu endors. Oui. Tu les as recomptés. Non, mais quoi, les recomptés, ça veut rien dire, les recomptés. C'est pas des moutons. Un malade, je l'endors, il se fait opérer, je le surveille. Et quand il est remonté dans sa chambre, mon travail est fini. Et puis ciao. Mais quoi, ciao? Alors le type s'est réveillé, toi t'es tranquille, tu t'en vas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu prends pas de ses nouvelles?
Comment ça? Tu vérifies pas que tout va bien? Oui, d'accord, oui, quoi, quand? Bah, quand il est rentré chez lui. Oui. Un mois, deux mois plus tard, est-ce que je sais, moi? Mais tu es tombé sur la tête, Laurence. Tu me vois rappeler mes patients au bout de deux mois pour vérifier qu'ils vont bien? Bah, évidemment, Bruno. Non, mais enfin, mais quel médecin es-tu? Quoi? Alors tu injectes tes saloperies dans les veines de ces pauvres gens qui vont se faire opérer, oui. Et puis tu les abandonnes, oui. Tu les lâches en pleine nature, oui. Sans te soucier une seule seconde de ce qui pourrait leur arriver. Ah non, mais tu es totalement inconscient. Non, attends, mais dis-moi la vérité, tu as bu. Mais imagine qu'il y en ait un qui se soit rendormi. Bah, surtout s'il était au volant, t'imagines les dégâts. Mais tu débloques complètement, Laurence. Je débloque rien du tout. Simplement, je n'en peux plus d'être harcelé chez moi à cause de tes conneries, là. J'ai peur. Je sens une oppression. Je sens une oppression. On nous menace. Arrête. On nous menace. Non, s'arrête. Non. On menace pas les gens avec de l'argent, Laurence. Ça peut pas être une menace. Il y a combien? Quoi? Il y a combien? Mais je sais pas, j'en sais, 20 000, 30 000, pas de dire. Compte! Quoi? Mais compte, qu'on sache un peu ce que ça représente! Une seconde, il y en a partout. Moi, ça, c'est pas possible. Moi, ça, faut un chasse-neige, moi, ça. Tout juste possible. Bruno, c'est toi! Quoi? C'est toi qui as apporté cet argent ici? Quoi, ce soir, qu'est-ce que tu racontes? Mais hein? Regarde tes yeux! Quoi, de quoi tu parles, quoi? On dirait un gosse qui découvre son cadeau de Noël au pied du sapin. Oui, ça, un cadeau qu'il attend depuis des mois, sur lequel il fantasme depuis tellement longtemps. Un petit enfant dont le rêve se réalise enfin. Mais on dirait que tu vas te mettre à pleurer, oui. Mais tu trembles. Oui, non, je tremble pas, je compte. Mais si, tu trembles! Alors écoute, tu me demandes de compter, je compte. Maintenant que je compte, tu me dis que je tremble. Ça suffit les réflexions à la con, hein? Ça suffit, hein? Je compte ou je compte pas? Oui, compte. Ça va, compte. Ça va, Allez, vas-y, compte. Ça t'excite, hein? Arrête. Ça t'excite de voir tout ce fric, cet argent qui t'obsède depuis tant d'années et qui revient en permanence dans tes conversations. Combien c'est payé tes collègues, tes supérieurs, ceux qui travaillent dans le privé, mais même tes amis. Tu essaies de jauger leur train de vie. Combien ils ont payé leur maison, leurs vacances, leur voiture, l'argent des autres, le nôtre, celui que tu mérites, que tu n'as pas. L'argent, toujours l'argent. Bah oui, l'argent, toujours l'argent, j'en parle parce que tout tourne autour de ça, Laurence. Non, c'est toi qui tourne autour, sans jamais l'atteindre. Hein? Là, tu as mis les mains dedans. Ouais. Là, tu es fasciné, là. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Mais c'est toi qui deviens dingue avec tout ce fric. Faut que tu redescendes, Laurence, hein? Laurence, faut redescendre, là, hein? Merde! Alors maintenant, si tu veux savoir si ça t'intéresse toujours, il doit y avoir à peu près 30 000 euros, à moins que je me sois gouré. Voilà. Parce qu'arriver à compter en écoutant tes conneries, c'est pas commode, je te le dis. Oh, ce fric est dégueulasse! Comment? Ah bon, ben hier soir, ça t'a pas trop dérangé. Quoi? Les 100 euros qu'on a trouvés dans le salon, là, ça t'a pas empêché de dormir. Oui, mais 100 euros, c'est rien. Bien sûr. Tu trouves 100 euros, tu décides que c'est un bien qui vole, un bien migrateur. Hein, tu vas bouffer, tu t'amuses. 100 euros, c'est un bien qui vole, donc 100 euros, c'est rien. Et 200 euros, c'est rien. Et 1000 euros. 1000 euros, c'est quoi? C'est rien. À partir de combien c'est quelque chose? Combien il en faut pour que tu te poses des questions et que tu te pètes à m'agresser? À partir de combien l'argent, c'est dégueulasse? Vas-y, dis-moi. Non, dis-moi, donne-moi un chiffre que je comprenne, que j'ai l'air moins con. À partir de combien l'argent c'est sale? C'est quoi ton seuil? Ça m'intéresse. Non, hein? Mais 100 quoi? Euros, ça change rien, Bruno. Ah, d'accord. C'est pas... d'accord. Ah, c'est le changement qui te fait peur. Oui, d'accord, ça y est, on y vient. Donc, ton problème, c'est quand ça change. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, dès que ça change, dès que ça bouge, dès que c'est nouveau, tu te figes. Tu te figes. Ça t'angoisse! T'es comme ton père, voilà. Cramponné à tes petites valeurs, à ta petite vue où rien ne doit changer. Mais pourquoi tu parles de mon père? Parce que tu réagis comme lui, j'ai l'impression de l'entendre. 80 ans qu'il nous sort le même disque. Attention. C'est nouveau, c'est suspect. Attention, on va se faire avoir. Attention, on va se faire exploiter. Pas toucher à mes acquis. Attention. Écoute, Laurence, le changement, c'est pas forcément un piège. Arrête de penser comme lui. Ne mêle pas mon père à ça. Alors, arrête de m'agresser. Arrête. Hein? Ça suffit comme ça, les procès, quoi. Oh.
Écoute, Laurence, je ne comprends pas ce que ce fric fout chez nous. Hein? Je suis comme toi, je comprends pas. Tu me le jures. Mais bien sûr, je te le jure. Je te le jure. Hein? Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la fête, c'est la fête. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? J'ai pris mon après-midi. Tu as pris ton après-midi? Mais oui, j'ai pris mon après-midi. Ce matin, j'étais au bloc à 7h. Je surveillais un vieillard de 94 ans à qui on retirait un bout d'intestin et qui va mourir dans la semaine. Et je me suis dit, cet après-midi, je vais faire du shopping. Voilà, c'est pas un crime. Hein? Bruno, on avait dit qu'on ne toucherait pas à cet argent. Oui, ça, on l'a dit. Oui, ça, tu parles. Ça, on l'a dit. Une semaine qu'on est là, qu'on tourne en rond autour de ce tas de pognon. Hein? Une semaine qu'on dort plus, qu'on mange plus, qu'on baisse plus. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est à nous, c'est pas à nous. On le dépense pas. Mais ça va, Laurent, ça suffit comme ça, les questions. Hein? Les questions sans réponse, ça suffit maintenant. Le pognon, c'est pas fait pour se poser des questions. Il y a un moment. Il y a un moment, faut passer à autre chose, ma chérie, une petite coupe. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Mais j'ai fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. J'ai claqué ce putain de fric. Tu as tout dépensé? Exactement. Exactement. Si tu veux savoir, j'ai cramé 38 230 euros dans l'après-midi. Tout est là. Voilà. Voilà. Oh non, tu n'as pas fait ça. Et alors, on a du pognon, on le dépense, je vois pas où est le problème. Non, enfin, mais cet argent ne nous appartient pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, mais tu perds la tête. Pas du tout. Tu sais très bien que cet argent n'est pas à nous. Mais ce pognon est chez nous. Donc il est à nous, on l'a pas volé. On l'a pas gagné. Et alors? On n'est pas obligé de gagner de l'argent pour en avoir. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement à la con, là, hein? Qu'est-ce que c'est? Mais l'argent, ça se mérite. Ah bon? En tout cas, ça se gagne. Ça, et les Dietrich, hein, qui sont assommés de pognon, tu crois qu'ils ont gagné leur fortune? Mais les Dietrich, ça n'a rien à voir, ils ont hérité. Eh ben, nous, c'est pareil. Bruno, ton père est cordonnier. Et justement, dis-nous, heureusement que ça tourne de temps en temps, hein, comme quoi il y a une justice, finalement. Mais de quoi tu parles? On ne mérite pas cet argent. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. J'ai fait 6 ans d'études de médecine. Plus 4 pour ma spécialité, je suis au bloc tous les matins à 7h, plus 5 gardes par mois, 5 nuits blanches, où je dois en dormir des connards qui se sont plantés avec leur scooter, ou des vieilles qui sont tombées de leur lit pour aller pisser. Mais que je passe mes nuits à endormir tout le monde alors que c'est moi qui tombe de sommeil. Bon. Mais ça fait 40 ans que je ne dors plus, Laurent. 40 ans, je suis cuit. Je suis complètement cuit. Je suis cuit. Et tout ça pourquoi? Un 70 mètres carrés dans le 15e, une 406 diesel et 2 semaines de vacances à la Grande Motte. Alors c'est ça ma récompense, c'est ça la Grande Motte? Si encore on me disait merci, tu vois, merci, juste merci. Mais non, ça garderait l'idée de personne de dire merci à un anesthésiste. Non. Les rhumatos, les cancérologues, les chirurgiens, alors ça, eux, ils ont droit à la reconnaissance, là. Les caisses de pinard, les boîtes de chocolat, en veux-tu, en voilà, il en pleut tous les jours, mais moi, rien, on ne m'a jamais rien offert, moi, absolument rien, mais rien, pas un bonbon, rien, pas un carambar en 40 ans de baraque, Laurence. Et tu trouves ça juste? Et pourtant, je fais bien mon boulot, hein. Je me suis jamais planté avec une injection, je me suis jamais gouré avec un dosage. Mes patients, je les endors, ils se réveillent. J'ai jamais refroidi personne de toute ma carrière, moi. Mais non, je suis bon. J'ai même pondu une thèse sur les effets secondaires du Flaxédil. Bon, ça, tout le monde s'en branle, les effets secondaires du Flaxédil. Ça n'intéresse personne.
les effets secondaires du flaxédine savant. Alors si je me plante, alors là, là on va me parler. Ah bah oui, ça, alors ça, 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 si je me plante, là elle va défiler dans mon bureau, la famille. Et je vais devenir une ordure, un assassin, et c'est le procès. Alors merci l'anesthésie, merci l'anesthésie. Alors quand je tombe sur 38 230 € dans mon salon, excuse-moi, mais je trouve que je les mérite. Voilà, à la tienne, hein, à la tienne. Mais tu es complètement marteau. Mais pas du tout, mais pas du tout, je ne suis pas marteau, je ne suis pas marteau du tout. Mais non, je veux juste qu'on se fasse plaisir, Laurence. C'est pas ça être marteau. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau du ciel. Oh, le ciel ne fait pas de cadeaux. Oui, alors regarde dedans avant de dire ça tout de même. Hein, hein, voilà, alors. Et voilà. Elle a coûté combien? Hein? Elle a coûté combien? Mais c'est pas le problème. Bruno, elle a coûté combien? Mais on se fout de savoir combien elle a coûté. Oh, si on s'en fout, donne-moi le prix de cette robe. Mais je ne sais plus, Laurent, je ne sais pas, je me souviens pas. Je n'ai plus un truc dans l'air un peu moins dans cette tête. Combien? Laurent, un peu moins de 7 000 €. Voilà. 7 000? Tu as dépensé 7 000 € dans cette robe? Un peu moins, je viens de te le dire. Puis essaye là au lieu de palabrer sur son prix. Tu veux que je porte cette robe de pétasse? Bon, oui, c'est pas une robe de pétasse. Ah si, une robe à 7 000 €, c'est une robe de pétasse. Alors écoute, je croyais que c'était une robe de haute couture. Faut que tu essayes là au moins. Mais pourquoi faire puisque je ne la porterai jamais? Pour me faire plaisir, voilà, c'est une bonne raison, ça non, Laurence? Pour me faire plaisir, voilà, hein? Eh ben mon Dieu, non, bon, alors attends. Alors attends, je vais vérifier tout ça parce que là, bon. Alors ça pose pas de problème. C'est pour moi, je suis d'accord. Voilà, ça, c'est de la bricole. Et ici, oui, bon, bah, ça, c'est de bon ton, ça. Oui, sans problème. Et alors, ah, c'est sûr. Oh là là, oh là là. Oh la vache, oui. Non, ça, le sac Vuitton, ça va pas le faire. Ça, je le sens pas. Je le sens pas. Alors, le sac Vuitton. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Ta-da-da-da. Ta-d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 a. Ta-da. Ya-da-da-da. Da-da-da-da. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Que magnifique. Magnifique. Je suis laide. Quoi? Cette robe est sublime, elle me rend laide. Ouais. J'ai l'impression de puer. Je pue dans cette robe. Quoi? Ça chlingue tout ça. Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. Vulgaire. C'est mettre 7 000 € dans une robe qui est vulgaire, mon ami. Bon, écoute-moi, moi qui pensais te faire plaisir. Mais enfin, Bruno, on a toujours vomi devant ça. Quoi? Devant quoi? Mais devant cette vulgarité. Devant tous ces gens qui déballent leur fric et qu'on exècre. Alors c'est à ça que tu veux que je ressemble? À toutes ces femmes de nouveaux riches qui roulent dans des 4x4 abominables? À ces immondes truies, aux seins refaits, hein? Qui couinent toute la journée dans leur portable. Ouais. Alors c'est comme ça que tu me vois, comme une femme de footballeur. Oui, comme une femme de footballeur qui a la chatte en flotte dès qu'elle s'approche de sa kermesse. Enfin Bruno, on déteste ces gens. Quoi? Maintenant, tu veux qu'on leur ressemble? Enfin, écoute, on peut porter une robe bien coupée sans forcément être une truie. Excuse-moi. Toutes les femmes qui portent des robes à 7 000 € sont des truies. Des ignobles truies. Non, mais tous ces sacs-là, mais c'est plus un salon ici. C'est une décharge. Non, c'est pas grave. Enfin, et nous, alors nous, on est là au milieu de tout ça, comme deux rats. Tout content d'aller fourrer notre nez dans ce tas d'ordures. Ben c'est charmant, je te remercie, merci. Balenciaga. Oui, ben voilà, Balenciaga, c'est un petit manteau, tu peux le changer s'il ne te plaît pas, puis voilà. Louboutin. Ah, c'est des petites chaussures, très joliment dessinées, avec un petit talon de semelle rouge. Elles sont pas mal, je t'ai pris du 37, voilà. Dior. Oh, pardon, Dior homme. Voilà, ça c'est pour moi, je me suis offert un costume et deux pulls, voilà, bon, c'est très cintré, mais enfin, ça a de la gueule, quoi, voilà. Je ferai un petit régime et puis on en parlera plus, voilà. D'accord, je ferai un gros régime. Merci, Laurent. Tu m'as pas acheté un sac Vuitton dans la foulée? Quand même, quand même.
Ça m'étonne. Laurence, quand même. Ça fait 8 ans que tu me prends, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors on passe à table, hein? Les rats, faut que ça mange aussi, hein? J'ai une faim de rat, moi. Eh ben, on va passer une belle soirée. Bon, allez, ça va. Allez, ça va, c'était maladroit, je le reconnais. Bon, j'aurais pas dû te mettre devant le fait accompli, très bien. Cet argent nous rongeait, j'ai voulu nous en débarrasser, passer à autre chose, te faire une surprise. Ben voilà, voilà, je me suis planté, je me suis gouré en même temps, ça va, quoi, j'ai tué personne. Ah hein. Bon? Ah, tu n'as tué personne? Quoi? Oh non, mais alors tout va bien, hein, si tu n'as tué personne. Oh non, moi, je trouve ça sordide. Hein. Arrête un peu. Il n'y a pas que toi dans la vie, tu sais. Moi, ça m'a fait plaisir. Plaisir? Oui, parfaitement, ça m'a fait plaisir. Rentrer dans ces boutiques, regarder ces fringues hors de prix, en sachant que je pouvais me les payer, j'ai aimé ça. Oh. Voilà, j'ai le droit. Toute notre vie, on a baissé les yeux devant ces magasins, parce qu'on n'avait pas la moyen d'y entrer. On restait dehors, à languir sur le trottoir, dans le froid, comme des gueux. Alors, ça va, quoi, merde? Hein, ça va? Ça suffit comme ça, l'humiliation. T'en as pas marre? Hein, t'en as pas marre de faire du lèche-vitrine? Regarde ta langue, elle est en sang tellement tu les as léchées, les vitrines. Alors arrête! Arrête de lécher, mange un peu. Oh non, merci, j'ai pas faim. Mais bien sûr que si, tu as faim, t'es comme tout le monde. Hein, t'aimes ce qui est beau, t'aimes ce qui est bon. Tu rêves de soi, tu veux pas te l'avouer. Ah non, mais tu perds la tête, Bruno. Oh, mais arrête de raisonner tout le temps, de juger sans arrêt. Ça va comme ça, les sons. Hein, dame, ça va, quoi, c'est l'heure de la récré. Oui, tu parles d'une récréation. Mais bien sûr que si. Simplement, maintenant qu'on a les moyens de se le payer, tu trouves ça dégueulasse? Pour pas, excuse-moi, c'est n'importe quoi. Hein? Non, tiens, alors, souviens-toi, la montre, tiens, la montre que je t'ai offerte. Alors, il y a 2 ans. Et alors? Elle t'a rendue heureuse. Oh, bah, bah, tiens, la preuve, tu la portes encore au poignet. Pourtant, elle n'était pas donnée, cette montre. Mais c'est exceptionnel, c'était pour mes 50 ans. Oui. Non, Laurence, c'est pas exceptionnel d'avoir 50 ans, Laurence. Non, non. Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre dans la vie d'avoir 50 ans, Laurence. Simplement, quand j'avais pas de fric, tu trouvais ça beau, et maintenant qu'on en a, tu trouves ça moche. C'est contradictoire, voilà. Mais non, mais c'est juste que c'est pas nous, tout ça. Oh, c'est pas nous, tout ça. Moi, je trouve ça abject. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut porter du cachemire sans être forcément un salaud. Un salaud, non, mais un traître. Un traître de quoi? Je trahi personne, moi. Alors ça, personne, j'en sais rien. Ah, bah alors. Alors tes idées, en revanche... Oui, quoi, mes idées? Quelles idées? Tes idées de gauche. Oui. Oui, je vois pas le rapport, là, oui. Tu es délégué syndical. Oui, et j'en suis fier, figure-toi. Et à la prochaine réunion syndicale, oui. À l'hôpital, tu vas mettre ton costume Dior. Oui, mais je ne sais pas, Laurence, je ne sais pas. Je ne réfléchis pas à l'avance à la façon dont je vais m'habiller. Oui, voilà. Oui, ben ça, tu devrais. Ça me paraît compliqué de négocier la hausse du salaire des infirmières en costume Dior. Oui, ça va, je ne suis pas obligé de le mettre non plus. Oh, belle hypocrisie. Mais non, ce n'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite du tout, voilà, j'ai du bol, je peux me payer un costume à 3000 euros. Ça m'empêche pas d'être sincère dans mes convictions. Oui, quoi. Sincère dans tes convictions, mais pas dans tes actes. Oh, arrête, vraiment maintenant, ça va, arrête Laurent, ça va, tu m'énerves, hein. Être de gauche, c'est pas forcément porter un pull qui gratte et bouffer du pâté de poire en boîte. Arrête ma merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours à la con, hein. On peut être socialiste et se faire plaisir. Il y a des exemples, hein? Ça va. On n'est pas condamné, hein? Sous prétexte qu'on a des valeurs humaines, on n'est pas condamné à s'habiller comme un con et à bouffer de la merde. Tu sais, je vais te dire, je suis très à l'aise, je suis tout à fait prêt à partager avec ceux qui n'ont rien, tu sais. Ah oui, oui. À condition que tu aies toujours tout. Bon. Merde. Je te sers un peu de caviar. Pourquoi pas? Parfait, très bien. Alors, allons-y. Ah, un peu de caviar. Voilà. Tiens. Voilà. Tiens, régale-toi. Voilà. Allez. Chine. Bon appétit. Voilà. Tu attends quelqu'un? Mais non.
Qui est là? Qui est là? C'est qui? C'est un voisin. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, le voisin, je sais pas. Je sais pas. Il est entré. Tu crois? Je sors pas. Je suis votre nouveau voisin. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'habite au-dessus de chez vous. Ah, c'est vous qui avez remplacé les Gautier. J'habite au-dessus de chez vous. J'ai reçu ça sur la tête. Ah, pardon? J'étais dans la cour, en bas des meubles, et j'ai reçu ça sur la tête. Eh ben, dites donc, c'est pas de chance, ça, alors, oui, c'est... C'est à vous! Ah non, ah non, non, ah non. Chérie, c'est à toi, ce... Ça, sûrement pas! Vous êtes sûr? Ah bah ça, écoutez, monsieur... Monsieur comment? Trac! Moi, pardon? Trac! Monsieur Trac! Bon, écoutez, monsieur Trac, ce sac ne vient pas de chez nous, voilà, c'est clair, hein? Pourtant, j'aurais juré! Oui, bah ça, vous auriez juré peut-être. Comment il est, hein? Fallait pas jurer, hein? La seule fenêtre qui est ouverte sur la cour, c'est la vôtre! Et alors? C'est pas parce qu'elle est ouverte qu'on jette forcément quelque chose par la fenêtre, je m'excuse, hein. Ça n'est pas un délit d'ouvrir sa fenêtre. Lisez le règlement de copropriété, les fenêtres ouvertes sont tout à fait tolérées dans cet immeuble. Vous avez emménagé quand? La semaine dernière. Enfin, vendredi en 8. Ah, vous êtes bien installé? Ouais. Vous vous plaisez dans l'immeuble? Non, du tout. Ah oui, vous ne vous sentez pas bien chez vous, alors? Non. Oui, bah c'est ennuyeux, ça. C'est... L'immeuble est sans danger. Pas pardon? C'est un endroit sûr, ici. Oui, bah, oui, c'est un immeuble tranquille. Pas de problème de sécurité? Écoutez, non, pas à ma connaissance. Non, non, nous, on habite ici depuis 11 ans, on n'a jamais eu le moindre souci. J'ai été volé! Ah bon? Ah bon? Des choses ont disparu chez moi. Oh là là, mais quand? Oh là là, mais pendant votre déménagement? Non! J'étais déjà installé. Des choses ont disparu. Mais quelles choses? Des choses auxquelles je tiens. Des choses de valeur. Bah, vous nous auriez absolument navré, alors, hein, Laurence? Oh oui, oh, nous sommes désolés. Désolé, oui. C'est pour ça que je suis là. Que voulez-vous dire? Je suis venu pour ça! Bah, je vois pas très bien ce qu'on vient faire là-dedans. Alors. Vous avez peut-être vu quelque chose? Oh, non, chérie Laurence, on n'a rien vu. Non, hein? non, je crois pas, non. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, rien d'anormal, non. Quelque chose d'étrange qui vous aurait frappé, hein? Un individu suspect! Alors écoutez, je réfléchis. Laurence, tu as croisé quelqu'un de louche cette semaine, toi? De louche? Non. Cela vous ennuie si je me débarrasse? Débarrassez-vous, monsieur, débarrassez-vous. Je le mets où? Quoi? Le veston, là, je le mets où? Où vous voulez, où ça vous fait plaisir, monsieur? Trac! Oui, monsieur Trac. Monsieur Trac, vous... Oui. Vous avez une arme? Pardon? Là, sur vous, vous avez une arme? Oui. Là, vous êtes armé? Oui. Pourquoi vous êtes armé? C'est pour me défendre. Contre qui? Contre les voleurs. Ah, mais il n'y a pas de voleurs chez nous. Non. Vous êtes certain? Ah, oui, bah, tout le monde est honnête ici. Oui. Ça me rassure. Mais si vous êtes en sécurité. Ah, j'aime mieux ça. Vous devriez le laisser chez vous, votre pistolet. Je ne peux pas! Tout disparaît chez moi! Oui, enfin, peut-être, ça n'est pas très agréable de recevoir quelqu'un avec un pistolet dans son pantalon. Si vous voulez, je vous le donne! On n'en veut pas. On ne saurait pas quoi en faire. Alors, vous fêtez quelque chose? Oui. Fêtez quoi? Oui, mais je ne sais pas. Vous savez pas ce que vous fêtez? Non, je ne sais pas. Vous savez, entre la fête des mères, la fête des pères, celle des voisins, le 1er mai, la libération, l'anniversaire de ma femme, celui de ma mère, il y a un moment, on ne sait plus ce qu'on fête. C'est curieux? Non, mais non, c'est pas curieux du tout. Alors ça,
pas à quoi ça sert de savoir ce qu'on fait, ça ne sert à rien, ça ne change rien. On est là, on boit du champagne, on mange du foie gras, on se fait des cadeaux, on se dit merci. Et puis à minuit, tout le monde se fait chier, on va se coucher. Hein, voilà, on n'est quand même pas obligé de savoir ce qu'on fait dans la vie, quand même, quoi, merde. Vous fêtez quoi? Ah, on fête Noël. Noël? À 12 mars? Pardon. Vous fêtez Noël le 12 mars? Oui, absolument, oui. Mais pourquoi? C'est parce que. Comment c'est? Dis-le, alors vas-y. C'est parce que mon père et ma mère sont morts un 24 décembre. Non! C'est une histoire terrible. Mes parents partaient au ski. Alors ils ont pris leur train. Une gare de Lyon. Un train de nuit, oui. Puis à 5 heures du matin, le train déraillé. Il est tombé dans un ravin. Un ravin. Le train, il s'est complètement disloqué. Le wagon. Et là, il a été au fond d'un lac. Un lac. Et puis, mes parents, ils sont morts, noyés dans leur cabine. Ils savaient pas leur bouée. Condoléances! Voilà, ben oui, je sais, merci, c'est ça. Merci, voilà. C'est pour ça. On fait plus Noël le 24 décembre, c'est trop. Je comprends, mais... C'est ça. Et pourquoi le 12 mars? Voilà, bravo, monsieur, bravo, voilà. Désolé, hein. Je suis désolé, évidemment. Voilà, elle adorait ses parents, alors ça va aller, mon chéri, ça va aller, tu sais. Il faut que tu sois courageuse, Laurence. La vie continue, tu sais, la vie, pense à la vie, pense à la vie. Pourquoi le 12 mars? Oui, c'est ce que je me dis aussi, c'est ça, pourquoi le 12 mars? Pourquoi le 12 mars? Qu'est-ce que c'est le 12 mars? Je ne sais pas. Voilà, vous ne savez pas, le 12 mars... Le 12 mars, c'est la Saint quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus, vous ne savez pas grand-chose finalement. Alors voilà, le 12 mars, c'est la Saint-Francis, tout simplement. Et le père de ma femme, il s'appelait comment le père de ma femme? Francis. Voilà, Francis exactement. Et pour lui rendre hommage, on fête Noël à la Saint-Francis. Voilà. Ah, c'est un symbole. Voilà, c'est symbolique. Ma femme a toujours eu un très gros sens du symbole, hein, Laurence. Oh, tenez, une petite de champagne. Oh, c'est pas de refus. Voilà. Hey, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Et bonne Saint-Francis. Oui, bonne voilà. Saint-Francis. On se la fête jamais assez souvent. Voilà. Oh, c'est du caviar. Oui. C'est un gros pot. Non. Oh, bah, si, c'est un gros pot. Oui, bah, c'est la Saint-Francis, hein. On va pas se mettre à compter nos grains. Si j'attrape celui qui m'a volé, je le tuerai. Ne dites pas. Je lui mettrai une balle dans la tête. Vous savez, monsieur Trac, c'est sûrement un jeune. Quel jeune? Non, je dis ça comme ça, moi. Je dis c'est peut-être un jeune qui a fait le coup. Vous croyez, c'est ça? Oui, peut-être. Oui. Non, enfin, sûrement. Oui, c'est sûrement. Un jeune, il doit se droguer. Allez, monsieur Trac, vous êtes un adulte. Il faut agir en adulte. Jeune ou pas, je lui mettrai une balle dans la tête. Il va vous rendre l'argent. Pourquoi il me rendrait l'argent? Pourquoi? Parce que ce gosse, il a dû tomber sur votre argent. Puis il a pas pu résister. Voilà, il a pas réfléchi. Comme ça, les gosses, ça ne réfléchit pas. Voilà, il a dû acheter 2-3 conneries à sa femme. À sa petite amie. Et maintenant, il regrette. Voilà, il regrette. Il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Putain de bordel de merde. Il doit être bourré de remords, ce malheureux gosse, mais il vous rendra l'argent. Vous pouvez me faire confiance. Finalement, comment vous savez que c'est de l'argent qu'on m'a volé, vous? Comment je sais? Je sais pas, je dis ça. On vous a pas piqué votre friteuse, j'imagine. Je lui mettrai une balle dans la tête. C'est sûr. Bon, allez. Je vais vous laisser terminer votre dîner. Ah, c'est bien gentil, merci infiniment. Voilà. Je vous laisse le sac. Non, mais non, il est à vous. Je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Ça va lui faire plaisir, merci. Pour la Saint-Francis. Oh, voilà. Merci, ça c'est pas gentil. Eh bien, bonne soirée. Voilà, merci, bonsoir, monsieur. Trac! Bonsoir, monsieur Trac. Qu'est-ce que c'est que ce type, Jerry? Ce type est un psychopathe. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, on appelle la police. Tu veux leur dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut leur dire à la police? La vérité est qu'on a un cinglé qui vit au-dessus de chez nous, oui. Qui nous menace avec ses armes. Ils nous protégeront. Le fric. On s'en fout du fric. Ce type va nous découper en rondelles. On s'en fout du fric. Appelle le fric. Le flingue. Quoi, le flingue? Non, puis son flingue. Et alors? Eh ben, et alors, on a son flingue. On a son fric. Enfin, ce qu'il en reste, tout nous accuse. Alors, on fait quoi? C'est un piège. On est en train de nous enfermer dans un piège. Tiens, on fait quoi du pistolet? Comment il s'appelle, déjà? Le cinglé du dessus, comment il s'appelle? Trac, monsieur Trac. Trac, ça veut rien dire. Oui, bah, je sais bien, c'est pas un nom, ça. Moi, j'ai jamais entendu un nom pareil. Je te dis, qu'est-ce que tu fais, là? Je vérifie. Tu
Tu vérifies quoi? Je vérifie si ce type existe. Vas-y. Traber, trabou, tracard, il n'y a pas de trac. Il n'y a pas de trac. Oui, attends, comment t'écris trac? La trac, terrassé, trac, trac. Attends. Alors, essaye avec QE. Traque-QE. Traque, comme une traque, comme une traque, voilà. Trac. Trappeur, trapon, trapu, trapui, trac. Tu l'as? Nadine Trac. Nadine Trac. D'accord, qu'est-ce que ça prouve, Nadine Trac? S'il y a une traque, il y a un trac. J'ai pas compris. S'il y a une madame Trac, il y a sûrement un monsieur Trac. Tu crois? Ben évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? On va l'appeler. Ben pour lui dire quoi? Mais lui dire quoi? On va lui demander si elle connaît monsieur Trac. À madame Trac? À la Nadine. Madame Trac. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Trac. Monsieur Trac. Il n'y a pas de monsieur Trac? Merde. Vous habitez seul? Je vous demande si vous habitez toute seule. Avec une dame? Oh, vous vivez avec une dame? Ah, une dame de la mairie? Enfin, on s'en fout. Ah oui, c'est une aide à domicile. Elle vous fait le ménage, les courses, oui. Mais ça vous fait une compagnie. On s'en fout, enfin bon. Mais c'est pas un entretien d'embauche. Passe à moi. Ne quittez pas, Nadine. Passe à moi. Allô, oui. Allô, Nadine, oui, je suis le mari, hein, voilà. Oui. Dites-moi, voilà, on vous appelle parce qu'on a trouvé une enveloppe au nom de Monsieur Trac. Monsieur Trac, oui, c'est ça, une enveloppe avec des résultats d'analyse médicale. Monsieur Trac, ça serait pas chez vous par hasard? Si? Raymond Trac. C'est peut-être lui, il habite où? Comment? Jean-Thomas, comment? C'est son mari, il est mort. Oh. Bah c'est la vie, hein, c'est la fin de la vie, quoi, voilà, c'est ça, faut faire confiance à la vie, Nadine, hein. Vous allez peut-être en trouver un autre, voilà, hein. Non, je n'entends rien, je dis, vous allez peut-être en trouver un autre. Comment? Il est irremplaçable. Oui, bah alors le remplacez pas, alors gardez-le comme ça. Non, je dis gardez-le comme ça, mais vous, Nadine, il vous reste des enfants, oui? Vous avez un fils? Il s'appelle Trac? Il s'appelle pas Trac. Bah pourquoi il s'appelle pas Trac? Comment, j'entends pas, comment? Ah oui, c'est son fils, il est mort aussi. Oh, ma pauvre, voilà. Bon, alors, Nadine, je rappellerai plus tard pour prendre des nouvelles, hein, voilà. Allez, au revoir. C'est foutu, ils sont tous morts, c'est bon, oh ils sont morts, là, 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 c'est mais mort, qu'est-ce c'est qu'on foutu. Fait nous, qu'est-ce oh, qu'on je sais pas, fait je sais pas, je sais pas, je sais plus, je suis perdu, Laurence. J'ai dis donc, tu jettes des sacs par la fenêtre, toi, maintenant. Quoi? Mais c'est pas moi, quoi. Hein, tu te fous de ma gueule ou quoi? Quoi? Arrête de mentir, faut que t'arrêtes de mentir, tu vas dire la vérité, maintenant. Bon, écoute, d'accord, c'est moi qui ai jeté le sac par la fenêtre, voilà, t'es content. Je suis très content, je suis ravie, même. Bon, oui. Il y a d'autres choses que tu me caches. Arrête un peu, Laurence. Tu vas parler, toi, maintenant. Quoi? Il vient d'où, ce fric? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce que c'est que ce fric? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce trac? Je sais pas, j'en sais rien, je comprends rien, tout ça. Qu'est-ce que tu me caches? Mais je ne te cache rien, arrête de m'accuser de tout le temps, je ne te cache rien, j'ai peur, tu vois? J'ai peur. J'ai jeté ce sac par la fenêtre parce que j'avais peur. Tu vas pas me reprocher d'avoir peur, quand même. On est ensemble, hein, Laurence? Laurence? On est ensemble, Laurence? Hein, Laurence, j'en peux plus. J'en peux plus de tout ce fric. Ah, y'en a marre. Ah, merde. Ah, c'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah, y'en a partout, Laurence. Y'en a partout. Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, j'en sais rien. Je suis rentré il y a une heure, y'en avait partout. Écoute. Mais comment c'est possible? Ça vient d'où, ça? Y'a une trappe ou quoi? Je viens de nettoyer la cuisine, j'ai l'impression d'avoir vidé un coffre. Même dans ma cuisine? Eh ben, va voir dans la chambre, il en est tombé au moins 30 cm. Il pleut du fric! Non, c'est rien, c'est comme une tempête, quoi! Oh non, c'est le déluge! Ça va, aide-moi à ranger au lieu de hurler n'importe quoi. Oh, c'est le déluge, mon amour! Bon, tu veux bien m'aider, c'est possible, oui. Qu'est-ce qu'on va en faire? On le range. Et après? J'en sais rien. Range après, on verra bien. Non, on verra rien du tout. Ouais. On va rendre ce fric. Arrête de hurler. Tu vas exciter l'autre psychopathe du cinquième. Arrête. Mais, que,
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Hein? On nous a désignés. Mais qui? Qui? Le hasard, la providence, voilà, c'est ça, on a été choisi, quoi. Hein? Choisi, mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu vois une autre explication, toi? Hein? Il y a des gens qui gagnent au loto, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Voilà. N'importe quel neuneu achète un jeu à gratter, et puis un jour, boum, ça lui tombe dessus, il gagne 100 millions d'euros, et personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Hein? Oui, mais nous, on n'a rien gratté, nous. Oui. Nous, on n'a pas gratté, nous. Oui, mais c'est un détail, ça. Un détail. Gratter, pas gratter, on s'en fout. On a décroché le gros lot, puis c'est tout. Mais le gros lot de quoi? Mais le gros lot de, je sais pas, une sorte de tombola divine, tu sais. Un truc dans le genre, c'est le pognon, c'est comme ça, hein. Ça passe d'une ordure à une autre, voilà. Et puis un jour, boum, il y a une justice. Des gens honnêtes touchent le pactole. Alors réjouissons-nous, hein. Non, on va rendre ce fric. Oh, c'est ça, tiens, à qui? Oh, je sais pas à qui, je sais pas, mais quoi? Moi, je garde pas ça chez moi. Ça, c'est, si on a été désigné, comme tu dis, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de cet argent. On doit, je sais pas, on doit remplir une mission avec. Une mission? Mission? Quelle mission? Je sais pas. Hein? On pourrait tout donner aux petits frères des pauvres. Aux petits frères des pauvres? On leur donne des sacs de vêtements, aux petits frères des pauvres, pas des sacs de billets de banque. Alors, une association. Une association? Bah, c'est ça, tiens, laquelle? Mais je sais pas. Quoi? Les aveugles, les femmes battues, les accidentés de la route. Quels accidentés? Des crétins qui sont pas foutus de traverser la rue sans se faire écraser? C'est quand même pas compliqué. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et puis t'y vas, voilà. Je refuse d'encourager les abrutis pareils. Alors, on pourrait tout donner aux gens qui meurent de faim en Afrique. Ah, c'est ça, si tu crois qu'on va sauver l'Afrique avec trois sacs, ma pauvre Laurence, alors là, en Afrique, c'est des cargos qui leur faudraient encore, je suis même pas sûr que ça suffirait. Mais trois sacs, c'est mieux que rien. Enfin, réfléchis deux minutes, ça va être une émeute. T'imagines des milliers d'Africains, la queue leu-leu avec la machette entre les dents, en train d'attendre leur tour pour avoir un bifton, mais ils vont nous découper en morceaux, ils vont nous bouffer, on va finir en blanquette. Arrête, ma bon Dieu. Mais on peut pas garder cette fortune pour nous. On va la planquer. On va la planquer. On va planquer ce pognon en attendant d'y voir plus clair. On va le planquer. Mais tu parles comme un riche. Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que tu cherches? Mais évidemment, on va le rendre. Évidemment, on va le rendre. Une partie, en tout cas. À faire le bien autour de nous, c'est évident. Mais pour être généreux, il faut être en vie. Tant que notre psychopathe du cinquième nous tourne autour, on a très planqué le pognon. Bon, aide-moi maintenant, ça va oui, comme oui, ça. Oui, oui, toi, ça te fascine. Quoi? Qu'est-ce qui te fascine? Toutes ces feuilles de papier, là, éparpillées partout. C'est ça te fascine. Oui, des feuilles de papier, c'est oui, ça, tu oui, parles. Des feuilles de papier. Oh, pour l'instant, c'est juste ça, du papier. Ouais. Tant qu'on ne le dépense pas, c'est juste des feuilles de papier. Ouais. Des bleus, des jaunes, des rouges. Oui, on n'est pas au Monopoly, là, tu sais. On n'est pas au Monopoly, maman. On n'est pas au Monopoly. Non, mais regarde-toi, là. Mais regarde-toi. Non, mais regarde-toi, tu deviens fou, mais t'es. Quoi? Mais t'es, t'as peur, tu transpires, là. T'es comme un gros mulot qui veut cacher ses noix. Tu veux tout planquer, tout garder pour toi, te faire des réserves pour l'hiver. Mais regarde-toi avec ton râteau, là, t'as l'air fin, tu es grotesque, mais tu deviens complètement fou. Eh ben oui. Eh ben oui, je suis fou, voilà. Ce fric me rend fou, voilà. J'aime le fric, j'aime le pognon, j'adore ça. Finalement, je trouve ça très bien. J'en boufferai, tellement j'aime ça. Regarde, hop, une brique, hop. Encore une brique, ça va être ça ma vie. Je vais bouffer les briques, et ça m'éclate, moi ça m'éclate. Mais tu n'as pas honte? Honte de quoi? Pourquoi j'aurais honte? Parce que c'est mon tour. Parce que j'ai enfin le droit à ma part de gâteau, c'est pour ça qu'il faudrait que j'ai honte. Mais ça fait 40 ans, Laurence. 40 ans que je rêve d'avoir un yacht. Et ça, mon rêve, un yacht. Et tous les étés, je me retrouve sur le port avec mon cabas et je regarde des gros milliardaires en Bermuda sur le pont de leur bateau qui s'empiffrent de homards, de langoustes, avec les mains pleines de mayonnaise. Des porcs, des gros porcs.
qui se font servir du champagne par des maîtres d'hôtel philippins avec des putes ruches en bikini sur les genoux. Eh ben moi aussi, voilà. Voilà, moi aussi. Moi aussi, je veux être entouré de philippins. Moi aussi, je veux des putes qui parlent pas le français sur les genoux. Moi aussi, je veux me comporter comme un porc et leur foutre de la mayonnaise dans le cul. Voilà. Voilà. Ah. Mais tu es pourri. Tu es complètement pourri de l'intérieur. Mais tu me dégoûtes. Tu me donnes la nausée. Ah bon? Mais tu rêves de ça maintenant. Et alors? Mais alors? Ah, mais avant? Mais avant, tu rêvais d'égalité. Mais l'égalité? Mais ça n'existe pas. Ça veut rien dire, l'égalité. Mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Oui. Bah, alors viens avec moi à l'hôpital. Hein? J'ai eu... Viens avec moi à l'hôpital. Tiens voir si elle existe, l'égalité, à l'hôpital. Hein? Des gens formidables, formidables, avec des tumeurs comme ça. Des gens qui n'ont rien demandé à personne, dont la vie s'arrête du jour au lendemain. Des gosses, ils sont condamnés. Alors qu'ils n'ont même pas encore, ils n'ont même pas encore 6 ans. Mais elle est où, ton égalité? Tu peux me dire où elle est? Hein? Tu peux me dire? Mais moi, je me bats contre l'injustice, tu sais, je me bats contre elle tous les jours. Hein? Seulement, je ne suis pas responsable du malheur des autres, t'entends? Alors tu m'emmerdes, Rance. Voilà, t'entends? Tu m'emmerdes. Voilà. La vie est une tombola abominable. Abominable. Faut juste avoir le bon ticket sur soi. Voilà. Et là, je viens de tomber dessus et j'ai pas l'intention de le rendre, tu vois? Oh, c'est drôle! C'est drôle! Fous tout dans le canapé! Voilà! Je vais chercher la clé! Oui, voilà! Il va défoncer la porte! Il va défoncer la porte! Il va tout défoncer! Voilà, je vous ouvre! Voilà! Le travail de toute une vie! Le travail de toute une vie! D'accord! Toute ma vie est partie! Toute ma vie! Toute ma vie! Toute ma vie! Monsieur Trac, posez votre hache! On m'a volé toute ma vie! Monsieur Trac, posez votre hache! Pourquoi vous n'ouvrez pas? Quoi? La porte! Pourquoi vous ne l'ouvrez pas? Ah, bah, parce que. Vas-y, dis-le. C'est parce qu'on était en train de baiser! Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Mon mari et moi, on était en train de baiser. Voilà, c'est ça, on adore baiser. À 3h de l'après-midi. Et alors, il n'y a pas d'heure pour s'envoyer en l'air si on aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, vous ne baisez plus. Ah là, tellement. Attends, je t'ai terminé, là, c'est fini. Là. Non, ça oh, c'est. Oh, on m'a tout volé, tout vidé, ils m'ont tout vidé. Mais qui? Ça a recommencé, ils ont tout pris, cette fois ils m'ont tout pris. Vous n'avez rien vu? Mais non, on était là, mais on était occupés. Vous m'avez entendu, c'est pas possible autrement, ils ont tout pris. Oh tout cassé, tout apporté, les affaires de toute une vie, tout a disparu. Oh là là, quelle histoire. Oh là là. Vous avez sûrement entendu quelque chose. Mais non, vous savez bien quand on... Hein, ouais. L'amour rend sourd. Mais oui, c'est ça, vous savez, quand on est lancé, on est des bêtes, on hurle, on n'entend plus rien. Je peux jeter un œil dans la cuisine? Oui, pourquoi, vous avez faim? Non, je suis sûr qu'ils sont passés par la cuisine. Je peux regarder? Chérie, ça te gêne si Monsieur Trac jette un œil dans la cuisine? Non, allez-y. Non. Merci. Allez-y, Monsieur Trac. Allez-y. Le pognon dans la chambre. Ne faites pas attention, désordre. Votre fenêtre est fermée. Oh oui, oh, c'est possible. Donc ils ne sont pas passés par la cuisine? Mais voilà, c'est ça. Oh, écoutez, Monsieur Trac, nous sommes vraiment désolés. Je peux jeter un œil dans la chambre? Non. Pourquoi? Parce que c'est privé. Je peux pas regarder dans la chambre? Vous n'avez rien à faire de ma chambre. Ça vous a rien fait, cette chambre. Bon, pourquoi je peux pas regarder dans la chambre? Parce qu'il y a quelqu'un dedans, voilà pourquoi. Il y a quelqu'un dans votre chambre? Exactement. Bah, pourquoi il y a quelqu'un dans votre chambre? Je vais pas vous faire un dessin, hein. Vous faites ça à plusieurs? Et alors? Et alors, ça vous dérange? On n'est pas à Téhéran? Ici, on est dans le 15e. Dans le 15e, on est libre de s'accoupler avec qui on veut, à combien on veut. Exactement, c'est comme ça, le 15e. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez, s'il vous plaît! Il n'ouvrira pas! C'est un homme? Oui! C'est un homme!
Vous êtes bisexuel? Bien sûr, bien sûr. Ça vous pose un problème? Non. Je suis bisexuel et j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Vous n'aimez pas ça, vous? Non! Non, vous avez tort, devriez essayer, ça vous détendrait. Hein, ça vous détendrait. Au lieu de vous exciter avec votre hanche! Monsieur! Ouvrez, monsieur! Comment s'appelle votre copain? Comment il s'appelle? Vous connaissez pas le nom de votre ami? On s'en fout, son nom. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment il s'appelle? C'est pas son nom qui nous intéresse. Bah, il a bien un nom! Non, il a pas de nom, c'est un copain sans nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire Internet. On l'a rencontré sur Internet. Alors, personne ne donne son nom sur Internet. Il n'y a pas de nom sur Internet. Monsieur, personne ne donne son nom. On s'appelle par des pseudonymes, des pseudos. Mais voilà, des pseudos. Oh, des pseudos! Mais oui, bien sûr, des pseudos. Voilà, tenez. Bon, tenez, moi, par exemple. Bon, bien, moi, je suis le renard argenté. Voilà. Ma femme. C'est comment, chérie, toi, déjà? C'est comment? Casse-noisette! Voilà, c'est bien, ça va. Ma femme, c'est casse-noisette. Et lui, derrière la porte, c'est lapin bleu, voilà. C'est des pseudos! Lapin bleu? Lapin bleu? Ouvrez-moi! Il n'ouvrira pas! Pourquoi il veut pas ouvrir? Parce qu'il n'en a pas envie. Parce qu'il est bisexuel, parce qu'il a honte, parce que c'est un lapin, parce qu'il est bleu, parce qu'il est enfermé, tout nu, tout bleu, dans cette chambre, et qu'il n'a pas envie qu'on le juge. Voilà pourquoi. Alors maintenant, vous allez lui foutre la paix. La paix à ce pauvre lapin, à ce pauvre garçon. Monsieur, je ne vous juge pas. Je veux juste vérifier l'intérieur de cette chambre. Monsieur! Monsieur Lapin Bleu! Non, écoutez, non. Laissez-lui un petit peu de temps. Il va retrouver ses esprits. Il va prendre une douche. Bonjour, madame! Va... Bonjour, monsieur! Bonjour, Thérèse. Voilà, je vous présente Monsieur Trac, notre nouveau voisin. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une hache. Une hache! Oui, c'est la hache de Monsieur Trac. Ah, mais pourquoi il l'a plantée là? C'est là qu'on range les haches. Alors, c'est ça. Ah, si! Non, il commence par la gamme! On va commencer par la cochine. La cochine, Thérèse! Voilà, c'est notre femme de ménage. Alors, j'avais compris! C'est louche, ce type là! Oh, ne dites pas ça, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est louche, ça? Et qu'est-ce que vous faites? Il est déjà la poubelle! Mais pourquoi vous descendez à la poubelle? Parce que c'est mon travail! Mais non, ça n'est pas votre travail! Mais certainement pas! Votre travail, c'est de laver, de repasser, de faire les lits, mais certainement pas de vous occuper de nos déchets! Ah bon? Et croyez que... Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais chez vous, moi, m'occuper de vos ordures, alors... Laissez les miennes tranquilles! Ce sont mes ordures, c'est moi qui les descendrai! Bon, il est toujours descendu la poubelle! Et pourquoi? En quel honneur? Pourquoi? Parce que vous êtes espagnol, parce que vous venez du sud, mais c'est fini ce temps-là, Thérèse. On n'est plus au temps des colonies. Ça n'est plus aux habitants du sud de s'occuper des déjections des gens du nord. C'est fini. Je sais bien qu'à une certaine époque, on pensait que les Espagnols n'avaient pas l'âme. Vous savez que c'était des bêtes sauvages avec des tas de muscles partout. Mais c'est fini, ça. C'est l'Europe, maintenant. C'est l'Europe. Faites partie de l'Europe, Thérèse. Hein? Alors, hein? De vous les Espagnols, voilà. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a fait avec la poubelle? Voilà, vous la ramenez à la cuisine, on ne peut plus vous voir. Voilà, merci, Thérèse. Ils sont sympathiques, ces Espagnols. Toujours passé formidable. Ouvrez-moi la porte de cette chambre, immédiatement, sinon! Sinon quoi? Sinon, je défonce! Oh non! Il va l'ouvrir! Il faut juste lui demander gentiment. Lapin bleu, c'est moi! C'est casse-noisette! Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oh, monsieur. On a passé un moment merveilleux avec vous, monsieur. Oh, monsieur, maintenant, il faut partir, monsieur. Il faut vous en aller, monsieur. Allez, monsieur, il faut partir, là. Écoutez, vous savez, moi, je sais pas quoi vous dire, hein. Il doit être complètement apeuré. Écartez-vous! Monsieur! Je vais enfoncer la porte! Non! Écartez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? On n'est pas dans un saloon, mais qu'est-ce que... Il est pas volé! Il n'a pas volé! D'où vient cet argent? Répondez, Thérèse! D'où vient cet argent? De la poubelle! Oh! Mais pourquoi vous avez mis de l'argent dans la poubelle? Oh, c'est pas moi! J'ai dit que c'est pas moi!
Il y a eu qui ne m'a volé, il m'a volé. Elle est en boucle, elle est en boucle. Et ce monsieur vous demande pourquoi vous avez mis de l'argent dans la poubelle. C'est clair, alors répondez à cette question. Qu'il a rien dit, il était dans la poubelle. Quel dinero y estaba en la basura? Mais pour qui? Pour qui? No se entiende nada, mentira, mentira. ¿Qué no entiende? Mentira, ¿de dónde, de dónde? Mira, déjame ¿de dónde viene el dinero? ¿De qué hablas tú? No sé qué hay no, en el cielo. ¡Déjame! Tu parles espagnol, toi, maintenant. Oui, non, je sais pas, c'est venu comme ça d'un seul coup, j'en sais rien, je sais pas. Où est l'argent? Dans le sac poubelle, à la cuisine. Vous, allez le chercher. J'y vais tout de suite. Ah, monsieur Mott. Ah, le petit personnel, mon petit, c'est voilà. Terrible. Ah, c'est terrible. Oh, c'était oui. La bonne. Oui, j'étais la bonne, voilà. Voilà. Quand la bonne est arrivée tout à l'heure, oui. L'argent était déjà chez vous. Oui, oui, oui. Comment oui. C'est possible, ça? Ben oui, mais je ne sais pas, je parle espagnol, mais je le comprends pas, alors forcément, il y a des choses. Il y a des choses qui m'échappent, voilà. Ah. Ouvrez-moi la porte. Chérie, on a un double. On a un double pour ouvrir la porte à monsieur Trac, on a un double. Oui, oui, voilà. Oui. Tout va bien, monsieur double, on a un trac. Tout va bien, monsieur Trac, on a un double. Allez le chercher. Quoi? Le double, allez le chercher. Mais faut arrêter de te foutre dans ma gueule, là. Faut arrêter de te foutre dans ma gueule, là. Non, non, tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la photo de notre mariage. Mais pourquoi vous montrez la photo de votre mariage? Parce que c'était le plus beau jour de notre vie. Mais je m'en fous, mais de votre mariage. Bah, dis donc, c'est pas nous, hein. Nous, on est mariés ensemble depuis 22 ans, monsieur. 22 ans. 22 ans d'amour. Pas une dispute. Un mariage sans faille, un mariage comme ça, monsieur, comme ça. 22 ans qu'on s'aime. Oui, oh, je sais qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Oh, hein. Tout ça est ringard, on ne respecte plus rien. Nous, on est très fiers de cette union, monsieur. Très fiers, très fiers. Et c'est un combat de tous les jours, monsieur Trac, de tous les jours. Oui. Alors un peu de respect. Alors un peu de respect, s'il vous plaît, respect. Hein. Vous me donnez le double tout de suite. Mais quel double? Pourquoi vous voulez un double? Vous avez l'original sous les yeux. Le double des clés de la chambre. Ah, vous voulez le double des clés? Non, le double des clés. Non, parce que vous dites le double. Alors, le double, tout seul, comme ça, ça ne veut rien dire. Non, écoutez, essayez d'être un petit peu clair, vous aussi, hein. Vous voulez hurler n'importe quoi, là, avec votre gourdin. Mais on va vous le donner, le double des clés. Bon, chéri, il est où, le double des clés? Ta gueule! Ouvre-moi la porte! Chut, 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 chut. Vous m'avez volé toute ma vie! Je vais vous découper un morceau, je vais vous acheter! Tiens! Le voilà, double des clés! Oh, qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Oh non! Non, tu l'as pas tué! Non, c'est vrai, c'est pas possible! C'est pas vrai, tu l'as pas tué, non. Ne me dis pas que tu l'as tué, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on... Mais il faut que ça s'arrête! Il faut que tout ça s'arrête! Ah, il faut que... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais il y a une odeur épouvantable, tu sens, Bruno? Ça vient de là. Ça vient de là. C'est le fric. C'est le fric dans le divan. C'est ça qui... Oh! Ah, c'est infect. Ah, oh, Bruno. Bruno, aide-moi. Il faut virer cette... Ah! J'ai oublié mon menton. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Thank you.
bah, c'est sa consécration. Non bah ouais, c'est le sommet, je peux pas faire mieux. D'ailleurs, je vais en profiter. Je peux faire une demande. Je voudrais demander ma compagne Daphné en mariage. Pas une blague. Ouais. Daphné, je t'aime et je veux t'épouser. Oui, ça vous a plu? Bah nous aussi, ça nous a plu. Allez, j'emmène le maître. C'était bien et on était pas mal. Que s'achève notre soirée de théâtre sur France 2. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec Comme s'il en pleuvait. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée sur France 2. Merci en tout cas de nous avoir suivis avec cette magnifique pièce de Sébastien Théry, mise en scène par Bernard Murat avec Pierre Arditi, Evelyne Buil, Ninou Garcia et Chico Ortega.